Ça y est, c'est officiel, le contournement de Châtenois est ouvert à la circulation. Alors que le ruban inaugural est coupé par les élus locaux, les véhicules étrennent le nouvel asphalte. Un projet vieux de 48 ans qui voit le jour après de nombreux rebondissements. Un grand soulagement et surtout une grande satisfaction pour la population, pour la sécurité de la population, pour la vie quotidienne de la population, une grande satisfaction pour la protection de l'environnement, parce qu'on avait une nature qui asphyxiait sous le trafic. Une très belle réalisation environnementale, hein, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 100 hectares de mesures compensatoires par rapport à 20 hectares d'emprise de la route, donc fois 5. Avant la mise en place de la déviation, 20 000 véhicules, dont 1 000 camions, traversaient chaque jour le village. Un flux réduit de façon drastique, puisque les camions n'ont plus le droit de traverser Châtenois. On va pouvoir aussi suivre avec attention l'évolution du trafic, mais on va essayer de faire en sorte que le grand transit ne passe pas par cet axe, mais on va aussi faire en sorte que ceux qui aujourd'hui empruntent le col du Bonhomme ou le col de Salles et qui devraient normalement emprunter la RD 1059 soient sur cette route, ce qui soulagera aussi, bien évidemment après, une partie des cols vosgiens. Donc tout le monde devrait être à terme gagnant. Voilà, et donc on est heureux aujourd'hui qu'enfin cet équipement soit réalisé et ouvert à la circulation. C'est une 2x2 voies qui a été créée du giratoire entre Célestat et Châtenois jusqu'au nouveau giratoire créé au Val-de-Villers. D'autres équipements ont également été ajoutés le long de cette portion. On a 5 bassins d'assainissement pour récupérer toutes les autres chaussées qui sont traitées avant rejet au milieu naturel. Donc on a 3 bassins de décantation et 2 qui sont des bassins d'infiltration. Et après on a mis aussi en place des écrans acoustiques sur 1,6 km pour en fait protéger les habitations, les riverains de Châtenois contre le bruit. Donc on a 2 types d'écrans, on a des écrans qui font 2,30 m de haut et des écrans quand on se rapproche en fait de la route des vins, un peu plus grand, donc de 3,80 m. Une piste cyclable longe également la déviation. Tout le long de la déviation côté sud, on a un chemin qu'on va revêtir en enrobé pour finalement que les cyclistes puissent rejoindre Chervillers et Lièvre, puissent ne traverser à aucun moment la route. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Ce contournement, envisagé dès 1976, aura connu bien des péripéties avant de se concrétiser aujourd'hui.